Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va commencer par vous remercier pour tous les commentaires et les pouces bleus. Le mec il pète déjà un câble. Le mec il est 9h30, il pète déjà un câble dans sa maison, tout seul. Ah, mais en fait, je crois que c'est ça, c'est la solitude qui me manquait. Non, je déconne. Au contraire, parfois ça pèse. Mais on va pas en parler. Non, je rigole. 6. Mais je le prends bien. Parfois, oui, ça pèse, mais ça va. Je fais du travail sur moi-même. Je me ressens sur moi-même, tout ça. Toi-même, tu sais. Bref, donc je vous ai dit merci pour tous les commentaires. Merci pour les petits pouces bleus, tout ça. Ou les gros pouces bleus. Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui mettent des gros et il y en a qui mettent des petits, je sais pas. Ou des moyens, ou des verts, des pouces verts, des pouces... Avant, c'était pouces verts. Bref, je vais revenir juste sur un petit truc par rapport aux vidéos, par rapport à la chaîne YouTube et par rapport à des commentaires que j'ai reçus et que... Alors, vous n'avez pas de notifs. Beaucoup n'ont pas de notifs. Alors, soit vous n'avez pas activé, donc j'ai eu ces commentaires comme quoi la petite cloche n'était pas activée. Donc, je vais vous montrer ça sur le PC. Et d'autres ont carrément le problème de aucune notif. Alors, j'ai essayé de résoudre les problèmes, mais à vrai dire, je n'arrive pas à le résoudre. Faudrait peut-être regarder un peu sur Google. Mais je vais... Voilà, je vais... Google. Ouais. Google. Je vais juste vous expliquer comment mettre la petite cloche là sur... sur le PC, je pense que sur le téléphone, voilà, c'était en fait à l'origine c'était pour avoir les notifs pour les lives. Alors techniquement, comme je vous l'ai dit hier ou avant-hier, on va essayer de faire des lives, de reprendre voilà des petits lives le mercredi soir. Donc n'hésitez pas à venir, ça papote de tout et de rien, on répond un peu aux questions en live et ça fait plaisir. Voilà, comme et en fait. Être franc avec vous tout de suite. Et Corinne, elle préfère réellement les lives. Ouais, je suis désolé parce qu'en fait, je regarde en même temps. Ouais, donc voilà, donc il y a bien le truc. Les lives, elle préfère en même temps. Attends, ah, c'est peut-être ça, nouveau. Regardez, je vous montre sur le téléphone. Et c'est peut-être ça, donc je pense à toi, Karine. Alors sur le téléphone, donc là j'ai mis une chaîne que je suis abonné, mais j'ai pas la petite cloche. Et en fait, regarde, quand je clique dessus, ça me sort ça. Voulez-vous autoriser Android bloque l'affichage des notifications? Ça doit être nouveau. Android bloque. Et donc faut cliquer là. Et donc là il y a abonnement, diffusion en direct, tu vois. Et donc là, je pense que tu dois valider. Bah, ça doit être bon. Et là, j'ai la petite cloche. Voilà, qui n'est plus... je vais vous montrer la différence. Aucune. Voilà, non. Donc, tu vois la différence. Personnaliser toutes ou aucune. Je vais marquer toutes. Et comme ça... J'ai ça. Là, j'ai la petite cloche qui sonne. Ça doit être ça. Donc, pour les notifs, on va voir. Ouais. Hop là. Pour les notifs, et sur le PC, c'est juste à côté du mot abonné. Hop. Donc là, tac. Voilà. Il y a la petite cloche là, justement, avec les petits... Donc toutes personnalisées et aucune. Et à mon avis, les personnalisées, aucune. Ouais, je sais pas. Là, sur le PC, on peut pas sélectionner les personnalisées. Toutes. Voilà. Donc, entre guillemets, rien de plus simple pour ceux et celles qui veulent les notifs. Donc, je sais que beaucoup nous regardent sur les télé. Et je pense que je suis bon. Je sais que beaucoup nous regardent sur les télés, sur la FIR, les télés connectées, tout ça. Donc là, je ne peux rien faire. Je pense que je ne peux rien faire. Je ne sais pas. Peut-être que vous pouvez ajouter votre compte YouTube, mais vous n'aurez pas les notifs. Voilà. Pour le côté info-notif de la chaîne YouTube.
Alors, merci aussi pour tous les commentaires que j'ai eu sur les masques hier encore. C'est vrai que j'en ai énormément. Ça me détend. Je parlais ce matin avec Noé qui me disait ouais qu'ils sont super et je lui ai répondu que en fait ouais ça me détend réellement parce qu'en fait elle m'a envoyé sa tasse du jour bonjour qui était en mode Halloween et donc j'en ai posté une en mode Halloween docteur Facilier. Je l'ai laissé en bas en plus pour vous la montrer mais j'ai oublié de la monter et voilà. Et donc je lui disais que je pense que ça se voit que sur ce voilà que qu'il y a des que c'était des masques Halloween. Voilà. Il y a celui-ci avec Maléfique et celui-ci que je surkiffe Jack, voilà. Et juste pour finir avec le côté masque de la journée, hein, je sais que je vous saoule réellement. Voilà, je pense que je vais en fait faire une seule vidéo par semaine où je vous parlerai des masques que j'ai fait. Voilà. Comme ça au moins ça saoulera juste une journée et pas les autres jours. Et en fait on m'a dit de faire un autre modèle pour la couture milieu. Mais en fait il n'y a pas de couture au milieu. Donc voilà, c'est juste, je voulais juste préciser ça. Il n'y a pas de couture en fait. C'est juste une couture qu'il y a là, celle-ci. Mais sinon il n'y en a pas d'autre. Vous en pensez quoi de celui-ci franchement? C'est pas une tuerie. J'ai tellement hâte. Tellement hâte d'aller là-bas pour juste pour le mettre. Franchement, je le surkiffe. Bref, allez, on arrête de parler de masque. De toute façon, d'ici le mois prochain, début du mois d'octobre, je vous montrerai, je pense, toutes les créations que j'ai fait en mode Halloween. Parce que j'en ai beaucoup, j'ai fait. Je sais pas, peut-être une dizaine de dessins. J'ai commencé déjà depuis un petit moment. Dizaine de dessins. J'ai fait des masques donc que je viens de vous montrer, mais je vous la remontrerai. Bon, c'est pas à vendre, hein, c'est juste pour vous montrer mes créations. Voilà, genre en mode je vous montre mes créations du mois. Je pense que ça va être en fait une petite routine que je vais essayer de faire pour éviter voilà de trop en parler tous les jours, mais une journée où je parle vraiment de ce que j'ai fait en créa. Donc j'ai fait ça, et mes badges. Fatalement, j'ai fait des badges Halloween que j'ai hâte aussi d'aller prendre en photo sur le parc. Bon, je parle beaucoup trop déjà ce matin. Et je vais descendre, je vais vous montrer ma tasse du jour bonjour qui est en mode Halloween, hein, fatalement. Parce que c'était ma tasse du jour d'Instagram. Et on va aller faire à manger. Comment c'est kiffant? Ouais, je sais. Mais en fait, c'est kiffant et bizarre à la fois, tu sais, de se retrouver devant un mur de tasse comme ça. Ouais, je sais, franchement, on est malade, franchement, je le conçois. Voilà, tasse du jour, bonjour, la tasse de Docteur Facilier. Voilà, prêtre vaudou, prêtre, je ne sais pas si on dit prêtre, vaudou, voilà. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, ça vient de la princesse et la grenouille, Princess and the Frog. Voilà, elle vient de Disney Shop, le site internet Disney Store, je crois que c'est en physique, et DisneyShop.fr, je crois que c'est le site internet. On l'a eu pendant les soldes, elle était je crois à 6€ ou un truc comme ça, ou à 7,99€, je ne sais plus. Bref, pas très cher pour une tasse Disney, donc on s'est dit allez. Ça sera une tasse Disney. On en a Disney Halloween. On en a d'autres. Hein. Des Halloween, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si on compte la tour de la terreur. Voilà, donc ça nous fera 8 petites tasses pour en mode Halloweenesque. Voilà, on se retrouve dans la cuisine. J'ai quelques petits petits manger à faire. J'ai quelques petits trucs à faire. J'ai de la sauce tomate. Ce matin, on a épluché des pommes de. Ah mais le mec il est malade. On a épluché des pommes de terre pour faire de la sauce tomate. Non, de la sauce tomate, on a chauffé des tomates, j'aurais fait de la croix pour les éplucher plus facilement. Voilà, je vais faire aussi une tarte. Normalement on a fait de la poudre d'amande qui est juste ici.
On l'a fait nous-mêmes, on est parti chercher des amandes. Non mais sérieusement, c'est vrai en plus, c'est sans rigoler. On est parti chercher des amandes à un amandier qui est là-bas, faut que j'y retourne. Faut qu'on y retourne voir, parce que ça, celle-ci, elle date de l'année dernière, faut qu'on aille voir cette année si on en a. Je sais plus c'est quoi la saison, est-ce que vous savez la saison des amandes? Ça doit être ça, hein, ou c'est peut-être avant. Donc on les a cassées ce matin à l'aube, genre il devait être 7h, 7h30. On les a cassés, on les a mixés, donc j'ai une tarte amandine poire à faire. Voilà, le repas du midi, ça va être plutôt simple. Je pense que ça va être des pâtes avec de la sauce tomate faite maison, comme ça au moins, on va pas la perdre parce que je voulais la mettre en stérilisation, là, en pot. Mais ma femme m'a dit, mais non, ce sera pour la semaine, donc voilà. C'est des tomates que mon frère m'a donné hier, parce qu'il en a plein sur ses pieds de tomates. Nous, on a des vertes encore. Je pars sur la sauce tomate, sur tout ça. Je pars en time-lapse. C'est parti! Je peine à parler, vous avez vu depuis ce matin. Je peine réellement à trouver mes mots. Tout simplement, je passe un petit passage. Voilà, couché très tard, très tôt même ce matin. Levé très tôt, bah, fatalement, Corinne a l'embauche très tôt. Et voilà, et en fait, je n'arrivais pas. Je vous l'ai dit, on l'a dit pendant le live, je crois, qu'en ce moment, on était sur Prison Break. Et bah en fait je suis plus sur Prison Break que Corinne parce que Corinne elle dort mais moi je me regarde Prison Break. Voilà en ce moment là j'ai dû regarder je sais pas 7 épisodes hier jusqu'à bah en fait parce qu'on a recommencé du début donc et là on arrive tout simplement au début de saison 2 où sans spoil où T-Bag il perd une main. Voilà, tu l'as pas regardé Prison Break, ça date de 10 ans. Donc automatiquement, si tu ne l'as pas vu, tu ne regarderas jamais. Oui, bah si tu regardes, tu sais que T-Bag y perd une main. Désolé. Voilà. Bref, donc ouais, j'avais absolument envie de voir ce passage. Et donc j'ai résisté jusqu'à je ne sais pas quelle heure, bref. Cuisine quasi faite. Donc tu as pu voir la sauce tomate qui est juste ici. Voilà, qui vient d'être faite. Je viens de décongeler de la viande pour faire une petite bolognaise avec. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'on allait manger des pâtes. La petite amandine poire a commencé à dorer tranquillement. Voilà. En dessous, il faut que je l'enlève. J'ai mis le reste de pâte pour faire un sablé, mais je crois que c'est trop tard. Je crois que c'est mort. J'arrive. En fait, voilà, un petit sablé pour grignoter à 4 heures. Pas pour nous, mais pour les enfants. Et je crois que c'est trop tard. Ouais, c'est un peu grillé. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, c'était du surplus. Et l'amandine poire, elle commence à être très très belle. Je me tâte à la sortir tout de suite. Mais je sais pas si la pâte est cuite.
L'inconvénient des fours, j'ai toujours eu ce problème depuis des années, hein, si tu me suis, depuis des années, on a toujours eu ce problème de four. Là, c'est un four encastré qui était déjà avant de... Bref, quand on a emménagé, il était déjà là. Et on a toujours eu ce problème de faire chauffer au-dessus, faire chauffer en dessous. Pourtant, voilà, il est censé chauffer des deux côtés. Mais je crois que là, le dessus est bien cuit, mais le dessous n'est pas cuit. Il y a toujours eu ce problème. Donc, je vais la descendre. Au pire, je vais la descendre plus bas. Voilà, on est en live in direct. Hop, je vais la descendre. Voilà, tac. Et je vais le laisser encore 5 minutes. Et ça tombe bien que je fasse de la cuisine parce que j'ai eu le commentaire qui demandait plus de cuisine. Et bah, aujourd'hui, c'était fatalement cuisine. Et encore, je crois que Corinne m'a dit encore autre chose. Sauce tomate. Bah non. Sauce tomate, manger midi. Parce que justement, j'ai dit, ouais, ce matin, donc quand on a fait les amandes, j'ai dit, ouais, bah, on aurait dû le faire après, comme ça je l'aurais fait. Bon, plus de place dans la carte. C'est abusé. Vous voyez que je parle trop dans la journée, c'est abusé. Donc je disais quoi, et elle m'a dit, ouais, t'inquiète, il y a ça. De la compote, on en a fait. On a encore plein frigo. Amandine, manger. Sauce tomate, je vois pas. Bref, c'est pas grave, donc c'est cool. J'ai fini la matinée. Il est quasiment midi, hein, quasi. Hein. Là, Corinne devrait bientôt revenir du parc. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il me faut des cours d'orthophoniste. Donc elle devrait pas tarder. Je vais commencer à faire moi. Les pâtes, voilà. Il doit être, je sais pas, il doit être moins de 40, un truc comme ça. Hein. Il est moins 20. Voilà. J'ai passé ma matinée dans la cuisine. Et donc, je vais commencer à faire chauffer les pâtes. Je vais faire le truc. J'ai pas besoin de filmer des pâtes à la bolo. Je vais faire chauffer de la viande avec des oignons, mettre un peu de sauce tomate, faire cuire les pâtes. Et voilà. Au pire, je vous montre, si j'y pense, le repas comme ça, vite fait. Ah, je vais faire des spaghettis, ça fait trop longtemps. Est-ce qu'on en a? Non, on a des coquillettes. Et des coquillettes. Regardez cette petite collection là aussi. Donc c'est la dernière fois, je cadre à peine. La dernière fois, on parlait des bouteilles dans le live. Et en fait, nous, on a des bouteilles comme ça. Mais des dures en fait, pas des bouteilles. On en a qu'une, pas des bouteilles comme ça. Et en fait, celles-ci, on les collectionne pas. Malgré qu'il y en a énormément. Celles-ci, en soi, on les aurait pas collectionnées, mais vu que c'était un cadeau dans un colis, on la collectionne avec les verres comme ça, que je ne sais plus où on a eu, je crois, Action, je crois. Et ceux-là de chez les véritables de chez Disneyland Paris. Je ne sais pas s'ils les font toujours. Je sais que l'intérieur se change, la feuille là. Et je pense que. La prochaine fois qu'on va y aller, je pense que je vais changer la feuille, je vais faire un de mes designs et je vais le mettre dedans et comme ça, voilà. Je parle trop. Mais tu kiffes ? Ouais, je gueule en plus. Ah, c'est tellement bien d'être seul à la maison. La 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 la. Franchement, dis-moi si tu... Bah après peut-être pas, hein. Dis-moi si tu kiffes d'être toute seule à la maison. Franchement, dis-moi. C'était quoi cette musique? Tuta 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 tuta. C'est Pinocchio. Tuta 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 tuta. Le mec il remet des trucs dans la tête des années 90. Allez, j'arrête de parler. Je vous retrouve dans l'après-midi. Tchou. T'approuves? J'approuve quoi? La tarte aux poires. Ah, elle est trop bonne. Oui, j'ai fait un dessert avant. Desserré. Parce que je m'en vais ce soir. Et tout à l'heure, je parlais qu'il y avait un autre truc à faire. Et en fait, c'était de la pâte à crêpes. Ouais, mais du coup. Et finalement. On le fera ce week-end. Ouais, voilà. Je vais vous montrer
Quoi? À quoi ressemble mon entrée? Bon, je dis mon entrée, parce que c'est ma maison. Voilà. J'en fais une brocante? Non, je rigole. Non, c'est la salle de jeu, en fait, nettoyage du vendredi soir. J'attends que les tapis finissent de sécher. Voilà, tous les vendredis soirs, elle sort tout de la merde. C'est nettoyé tous les jours, mais là c'est fait en gros, oui, mais... tout est nettoyé en gros. Voilà, donc elle sort tout et elle nettoie tout. Et en fait, même en gros, même quand elle est de repos, même quand elle a fini son travail, et ben, continue à travailler en fait. Ah, vous savez ce que c'est, Isa, ce matin? C'est clair, en fait, voilà. Sans gros, compter les machines qu'il y a encore à faire. Il y a encore trois machines à faire. Les jouets qui passent en lave-vaisselle. Eh ouais. Et okay. Tout ça pour une maudite somme de 3,80€. De l'heure. 3,80€ de l'heure. Non, après, ça, franchement, voilà, ça va. Ça aussi, il y a pire comme travail. Il y a pire. Voilà. Bref, j'ai fait pas mal de choses cet après-midi, mais que je n'ai pas filmé. C'est-à-dire, jouer à la console. Chercher ton fils à l'école. Jouer à la console. Non, plus sérieusement, j'ai fait deux dessins. Après, j'ai eu un appel du collège. Bah, c'était Adam qui m'a appelé du collège. J'ai vu le numéro du collège, mais c'est là. Et j'entends, tu peux venir me chercher, je finis à 15h. Non, mais lundi, il aura son téléphone, c'est pas plus simple. Donc voilà, donc en gros, j'étais obligé d'aller chercher à 15h mon fils. Bah ouais, les profs sont déjà absents. Ouais, mais sérieux, c'est abusé, les profs sont déjà en absent quoi. Bon après. Ils ont 3 jours d'école et ça y est, ils se mettent déjà quasi en grève. Attends, ça se trouve, il y a des profs dedans. Non, mais après, voilà, ils ont peut-être des réunions qui ne pouvaient pas assurer leur cours. Et voilà, bref, et ensuite, je sais plus. Ce que t'as fait. Je sais plus ce que j'étais en train de dire en fait. Ah pardon, je t'ai coupé. Voilà, mais c'est pas grave. T'as joué à la console, t'as fait un dessin que t'as pas fait voir, et t'as reçu un appel. J'en ai fait deux. Deux dessins, oui. Deux dessins. Et t'as fait quoi? Non. J'ai fait j'ai refait la méchante Rel. Ouais. Et j'ai fait, vu que ma tasse du jour c'était... Pirate? Non, c'était... Oui, c'est pas pirate. Non. Pirate et Docteur Facilier. Ah. Voilà. Il est moche. Ouais. Ah, il est horrible. Faire une photo avec. Bon, perso, je pense qu'Halloween c'est mort pour y aller, mais. Ouais. Bon, de toute façon, on verra ça. Ah. Pourquoi? Parce que le week-end, le train, ça coûte un bras. Et la semaine, oui, c'est vrai, c'est par rapport à ça. Je veux aller à Disneyland tout seul. Ouais. Donc, hébergez-vous, trouvez que quelqu'un l'héberge. Parce que le train, ça reste correct la semaine, mais... Elle m'autorise à aller à Disneyland, mais juste aller à Disneyland, je n'ai pas le droit. Par contre, non. Je suis même pas sûr que mon passe-passe. Non, si, c'est une semaine, c'est la 15 jours dans l'année, mais je ne sais plus laquelle. Et oui, la semaine de Halloween et la semaine de Noël. Donc en fait, même le 31, en fait, je ne peux pas y aller. Bon. Ah ouais. Donc tu vois, en fait... D'une façon ou d'une autre, oui, voilà, c'était bon. Je crois que c'est pour le Magic Plus, je crois que c'est la semaine entière de 31. Donc tu vois, en fait, même le 31, tu aurais été, je serais resté dehors. Ah ouais, les boules, ouais, bah en fait, on n'a pas percuté sur ça. Mais il n'y a pas de. Ils n'ont pas enlevé les limites, justement, je à cause pas. Du. Faut qu'on regarde. Je sais pas. Mais bon, de toute façon, on va pas laisser les enfants le 31 à la maison. Donc voilà. Donc elle m'autorise, j'étais en train de dire ça, elle m'autorise à aller à Disneyland, elle m'autorise à prendre le train, mais elle m'autorise pas à prendre un logement. Bah c'est que ça coûte un bras. Donc elle me dit, si tu veux aller à Disney, sans moi, faut que tu trouves quelqu'un qui t'héberge. Voilà. C'est trop loin. Bah, sinon Marie, il faut qu'elle vienne me chercher. Il faut qu'elle me ramène le lendemain, ça fait un peu loin. S'il y a une âme charitable qui veut bien t'héberger à côté de Disney, je vous prête pour deux jours. Bah même pas pour une soirée. Hein. Pour deux soirées, même pas pour deux jours. C'est juste deux soirées. Pourquoi deux soirées? Ah oui, oui. Parce que la journée, je suis pas là. Ouais. Je serai au parc. Ouais. Bref, allez. Trop long vlog. Pas mal de blabla. Je sais que tu kiffes. J'ai une coupe de cheveux. Vas-y, je peux pas aller chez le coiffeur là. Bah va. Bah ouais, il est à côté. Bah va. Mais vas-y, prends rendez-vous à côté là. Bon, demain, peut-être pas de vlog. Journée off. Ouais, demain, oui, il faut chercher du tissu demain. Mais on vous montrera ça sur le dimanche où je ferai un vlog en deux. Oui, de deux jours. Voilà. Tout dépend ce qu'on fait demain. Mais à part aller à Electro-Dépôt et... Et à Decathlon, il faut chercher une paire de baskets à Adam.
Comme ah ouais. Ça. De ouf. Bah ouais, mais bon, c'est des trucs obligatoires, quoi. Bah obligatoires qu'il nous faut pour un homme. Et puis bah voilà, c'est tout. Ouais, rien de transcendant. Et du tissu. Voilà. Et du tissu. Parce que j'ai encore des trucs à faire. Ouais, il a un tabé lecteur à faire. Allez, je vais vous quitter, mettez pouces bleus, tout ça, tout ça. Ça bouge dans tous les sens, t'as envie de vomir, j'espère. T'abuses. Oh, j'ai mal aux jambes. J'ai pas marché pourtant, mais j'ai mal aux jambes. Bon, je vais aller monter, finir de monter ce vlog, faire à manger. Ce soir, c'est vendredi soir, et vendredi soir, c'est tacos. Bah, vous, c'est tacos. Voilà, Corinne n'est pas là, elle s'en va. Et nous, pour nous, vendredi soir. En fait, maintenant. Bah là on l'a repris parce que pendant les vacances on le faisait plus. Non bah là on... Mais là on l'a repris en fait c'est le vendredi soir c'est tacos. Donc fait maison hein, voilà. Et en fait c'est comme ça on réfléchit pas. C'est bien d'avoir des repas comme ça. Comme le mardi, le mercredi midi. Les trois quarts du temps c'est soit pas de bolo, soit l'anti-saucisse. Comme ça en fait tu réfléchis pas. Tu te dis allez on est ce jour là. Il n'y a pas de « ouais, qu'est-ce qu'on mange ?» Bon, après, cette semaine, ça va, on avait fait des repas plus ouais. Ou moins, donc ça allait. Ah si, demain, on va au resto ? Ouais, demain soir. Mm-hmm. Ah ouais ? On va avec le beau-frère et la belle-sœur. Ah ouais, bah, peut-être... On y va en train d'une semaine. On va peut-être filmer, en fait. Non, peut-être pas. Je sais pas. On va être mal... Je vais être malade. Toi, oui, des chances. Bref, allez, on vous quitte tout de suite. On vous dit peut-être à demain, si tout va bien. Tchou !